Coucou, juste pour vous dire, je suis désolé, mais on devait parler d'un sujet précis et on parle vraiment de tout et n'importe quoi. Donc excusez-nous, bisous Coucou, c'est les successeurs. On va parler aujourd'hui de quoi? Non, pas de Villeneuve. Non, non, mais de la madame qu'il y a dessus. Tout à fait. Alors, on nous l'a demandé sur Snapchat et sur Discord de parler vite fait de ce qu'on pensait du film qui s'annonce Cruella, qui est bien parti, qui va se faire, hein. C'est pas bah comme là, oui, la petite sirène où pour l'instant on en a pas trop entendu parler. Non, non, là il y a eu la bande-annonce, il y a eu tout, donc... Ça fait très longtemps qu'on avait entendu longtemps. Parler oui, qu'ils allaient faire un film Cruella. Ça fait un certain temps, c'est vrai. Et quand on a vu, on s'est dit, ouah, cool, pourquoi pas. Et on a vu la bande-annonce. Et on s'est dit, pourquoi pas. Pourquoi pas, voilà, c'est... Non, mais... Les films sur les méchants Disney, je suis à 100% pour. Vous savez, même princesse, pratiquement, oui. On est tous les deux d'accord sur le fait que les méchants dans les Disney, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est ce qui fait tout tourner. Bah, c'est oui. S'il n'y avait pas de méchants, il n'y aurait pas de film. Mais donc, Maléfique, vous savez ce qu'on en pense. On a bien aimé le premier, malgré le fait qu'il ait des défauts. On a bien aimé le deuxième, malgré le fait qu'il ait encore plus de défauts. Mais là, le truc, c'est quoi la Maléfique, ce qui était bien au départ, c'est qu'on part dans un univers complètement magique. Et complètement différent de La Belle au Bois Dormant. On peut le dire. Oui, non, non, on est parti dans un truc totalement différent voilà. Du film de La Belle au Bois voilà, Dormant. Mais on garde l'univers magique. On garde l'univers magique. Et nous, c'est un truc qui nous fascine dès le début. Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, tout ça, c'est le Hobbit, tout ça, c'est vraiment notre cam à nous au départ. Donc c'est vrai que déjà, on nous dit un film qui va être médiéval, fantastique, magique, avec ben, des personnages de notre enfance. Et tout de suite, on super. Court au cinéma. Et là, on voit Cruella, on adore le personnage de Cruella, mais on voit la bande-annonce, on se dit, ça ressemble à tellement de choses qu'on a déjà vues. Ouais. Après, on sait pas grand chose non plus, et puis on non, peut être surpris. Non, ça, voilà, il peut y avoir des bonnes surprises. Mais je vais pas aller au cinéma ou à Disney+. Exprès pour le voir. Voilà, c'est ça. Ouais, juste avant, on va vous parler vite fait du film qui... parce qu'on nous a demandé aussi d'en parler, mais on va en parler parce qu'on a moins de choses à dire dessus. Sur Raya et le dernier dragon. Franchement, il m'intéresse beaucoup, mais ça a l'air d'être beaucoup du déjà vu. On voulait plus longtemps une princesse métissée guerrière. Voilà, on en a parlé. On en avait parlé pendant un live ou dans un une live, vidéo. Ouais. Ça, ouais. Et même Célia nous avait fait un dessin de la princesse que. Tu te souviens, une princesse guerrière métissée et tout. On a dit que ça serait trop cool. On avait mélangé tout ce qu'on aimait bien. Et du coup, là, on est servi. Ouais, tout à fait. Mais bon, après, voilà. Bon bah c'est sûr que les images qu'on voit bah ça a l'air magnifique, ouais. On peut pas dire, hein. Non, un peu comme Vaiana d'ailleurs, ça fait, ouais, tout à fait un peu le même esprit je trouve. Dans cet univers un peu, voilà. Bah ça nous fait vraiment beaucoup voyager. Voilà, il va y avoir quelques mascottes comme on a pu voir le dragon ou voilà. Et puis bah voilà, après à voir ce que ça donne. Pour le coup c'est un nouveau truc. Voilà, on va voir s'il y a des musiques, des chansons. Il y a quelques musiques qui ont fuité sur YouTube, ah, j'ai cru voir. Ouais. Mais enfin bref, tout ça pour vous dire, pour en parler vite fait, pour pas faire une vidéo dessus parce qu'on a moins de choses à dire là-dessus. C'est beaucoup de dessus. Est-ce que ça va sortir sur Disney Plus? Je crois qu'ils l'ont. Ils l'ont dit. J'ai même pas vu de date de sortie moi. Ouais, bah ouais, pas forcément. Ils attendent tous, hein. Regarde, c'est Alexandre Astier qui ne veut pas sortir son film en ligne. Hein. Ouais. J'ai peur qu'il soit obligé à un moment ou un autre pour récupérer un minimum d'argent. Mais il le fera pas. Ouais. À la fin du dernier livre, on voit bien l'écran oui, qui oui, s'aligne comme mais un cinéma. Non, mais il le fera pas. Il attendra que le cinéma ça. C'est sûr. Donc voilà pour Raya, pour pas qu'on en fasse une vidéo exprès comme on vous a dit, donc pour Cruella. Beaucoup d'abonnés sont venus me parler sur Discord en me disant on dirait pas un Bird of Prey ou un où ils veulent faire un Harley Quinn version Disney. Je pense pas forcément, mais en voyant les images on a l'impression que c'est une femme gangster, machin. Enfin j'ai pas trop vu, peut-être bah, que c'est ouais, mieux que moi. Ouais. J'ai regardé d'un coin de l'œil en fait. Je t'avoue, que... en fait j'ai regardé le début de la vidéo et après j'ai éteint. Ah. Donc voilà, ils vont se dire, ils font une vidéo, ils regarde. Savent pas de quoi ils parlent. Non, mais... non mais... Je te laisse tout seul. Comme quoi... C'est pas... Voilà, en fait, sur le coup, j'ai fait, ah, Cruella, je vais regarder la bande-annonce. Et finalement, quand j'ai vu que c'était plus ou moins... Ça t'a pas parlé du tout. Voilà, ça m'a pas... Je me suis dit, bref... Hein on voit des animations, on voit des... Ouais, 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 voilà. Ça m'intéresse, ouais, ça me... J'irai le voir, je pense, qu'il sorte sur Disney+, ou au cinéma, en espérant que ce soit le cas, tant mieux. Oui, parce que je pense non, que, mais moi, j'attends que ça, le hein. Fait que Soul soit sorti que sur Disney+, ça a peut-être aidé à ce que ça... Ça ne marche pas autant qu'il aurait espéré. Mm-hmm. Juste après, d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo seule, où Pixar a annoncé, au final, qu'ils revenaient sur leur décision de ne plus faire de suite, pour éviter que le studio coule. Le studio risque vraiment de couler. Ah ouais? On parle de Pixar qui est associé à Disney, qui est une des entreprises les plus
florissante au niveau de l'argent, et ils ont dit ça comme ça, tu vois, enfin on en avait pas reparlé, mais ouais, ils ont, donc du coup on peut s'attendre à réavoir eh ben, un Toy Story 5, un Vice Versa 2, un... voilà, c'est ouais, tout à fait possible, on verra bien, mais voilà, donc c'était la... quand ils ont dit ça, j'ai dit ouais, du coup je... Non, je nous ai coupé. On parlait de quoi avant que je parle là-dessus? Du fait qu'on irait le voir au cinéma. Toi, tu disais que tu irais le voir au cinéma. Bah oui, parce que justement, peut-être que j'aurais vu ça au cinéma, ma première impression aurait été plus... Bah c'est pas pareil, c'est sûr, quand tu vois un film à la télé et au cinéma, c'est pas du tout le même... Bah la preuve, voilà, donc on connaissait Titanic tous les deux, mais on n'avait jamais été le voir au cinéma. Voilà, on a été le voir au cinéma. On a vu au cinéma et on a fait... Ouais. Enfin si. Oui, oui. Non mais c'était, on l'avait vu, tu sais, comme s'il avait refait la version 3D. C'était le fait qu'il était en 3D que ça nous a rien voilà. fait, mais le fait c'est de ça. Le voir au cinéma, non, tu te dis sympa. Wow. Ouais. C'était sympa de voir Titanic au cinéma, c'est sûr. Ah oui, ça c'est cool d'avoir pu le faire au moins une fois. mais voilà, pour Cruella, j'espère qu'il sortira directement, parce que quand il va s'il sort sur Disney Plus, je vais être content parce que je me dis cool, je bouge pas de chez moi. Mais en même temps, je vais me dire déjà, je suis pas très motivé à aller le voir. Par rapport au 101 Dalmatiens avec Glenn Close. Ouais. Magnifique. Voilà, c'est ça, j'ai... Ce film. J'ai peur qu'il... Pareil, ça c'est un film quand on était gamin. C'est un film de notre enfance, ça. Et j'ai peur... Bon, pas après celui avec Gérard Depardieu, je l'avais moins aimé celui-là. C'est le 2. Ouais. Ouais, ouais, non, un peu... Ouais, enfin, bon, bref. Et un peu plus nanar. Voilà. Mais voilà, c'est ça, j'ai peur qu'il casse encore ce film... Enfin, l'image du film qu'on oui, garde de oui. Cruella, en fait. Bien sûr, bien sûr, mais... Et Glenn Close, c'était une super... J'ai rien contre Emma Stone. Emma Stone, je crois que c'est ça, ouais. J'ai rien contre elle, mais bon, Glenn non, Close... Non, mais Glenn Close, c'est Cruella. Bah, c'est ça. C'est comme on peut dire ce qu'on veut, je trouve que Maléfique fait vraiment... Angelina Jolie. C'est vraiment, voilà, ils ont super bien t'as des Emma des Stone, elle fait jeune. Oui. Après, est-ce qu'ils vont faire la jeunesse de Cruella? Bah, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être ça. Comme on ne s'est renseigné que de très loin... Parce qu'il y a un moment où elle a les cheveux, tu sais, en noir et blanc, là. Peut-être qu'on va l'avoir devenir. Flash, là, et là, dans ce cas, ça peut être intéressant au niveau de l'histoire, je dis bien. Au niveau de l'histoire, je précise bien. Mmh. Mais après, au niveau de l'univers, bah, l'univers me... Bah, moi, j'ai me donne pas envie d'y aller. Je sais pas pourquoi. Je le ferai, hein. Parce que c'est une méchante Disney, et voilà, mais... Oh, j'ai du mais mal. Moi, je pense, j'ai du mal depuis les films, en fait, là, depuis qu'ils se mettent à faire c'est des vrai. Films. Et... On a toujours été curieux, on n'a pas été comme Sans Pseudo et Oncle Buck qui commencent à boycotter totalement ces films. Non. Mais ça nous intéresse on peut, pas. Voilà, avoir des bonnes surprises. On a plus ou moins été déçus un peu par tous. Bah ouais. Dumbo m'a déçu de mon côté. Pour voir que c'était Tim Burton. Maléfique de voilà, j'étais tellement ouais. en attente d'un truc énorme ouais, et ouais. en fait. Bon. Ouais, pff, sans plus quoi. Voilà, c'est ça. C'est Après, il était sympa à voir. J'ai bien aimé Aladdin, beaucoup de gens l'ont pas aimé. Et mais Aladdin, c'était sympa. On l'avait regardé ensemble. Ça, ouais. mm-hmm. ça dansait, ça chantait. Ouais, ouais, il était pas mal. Il m'a pas déçu. Je l'ai pas trouvé exceptionnel, mais j'étais assez content. De... Peter et Elliot, je l'ai vu au fait, je sais pas si je t'ai dit. Si. Et franchement, et ça va. Moi, ouais. je l'ai pas vu. Ça va. Désolé pour beaucoup de gens, mais je préfère le premier quand même. Beaucoup de gens préfèrent ouais. le deuxième. Ah ouais. Mais je préfère le premier ouais, avec voilà, ses ça, musiques, nous, on ses est méchants. Dans nos trucs de notre enfance. Et ouais. On n'arrive pas à. De toute façon, je vois pas comment un film, un remake, un live action parallèle, c'est un machin pourrait dépasser non pour l'instant. Ouais. Après, je suis pareil, on se met à la place d'une génération qui connaît que. Oui. C'est ça qui me fait peur voilà. par rapport à Cruella, parce que les gens ils vont aller voir Cruella avec Emma Stone, ils vont l'adorer parce que oh là là c'est la Harley Quinn, voilà toujours obligé bah, de comparer. C'est ça, tu fais ça, une référence, faut toujours trouver une référence. Ouais, les gens ils aiment comparer et puis voilà, mais je trouve que c'est dommage, peut-être qu'il va être très bien et sans avoir besoin de le comparer à Harley Quinn d'ailleurs, mais allez voir Les 101 Dalmatiens, le film live action, la méchante, elle est charismatique, elle est même belle le film, dans la méchanceté, drôle, elle est... Ouais. Ouais, c'est trop bien ce film. Et là, on a vu des Dalmatiens dans le nouveau à voir. Ouais. Si c'est sa jeunesse, je me dis bon, ils prennent pas beaucoup de risques. Elle va pas être encore méchante. Et puis on sait rien de la jeunesse de Cruella. Non. Pratiquement rien. Non, donc ils peuvent y aller après tout. Ah bah là, ils peuvent se lâcher, voilà. Ils peuvent faire n'importe quoi, j'ai envie de dire. Voilà. Peut-être qu'ils vont faire la rencontre avec. Roger. Non, comment elle s'appelle sa copine? Anita, voilà. Peut-être qu'ils vont faire la rencontre avec Anita qui travaille ensemble. Ah ouais, Anita, ouais, d'accord. Et puis le film se terminera. Mais bon, est-ce qu'ils vont la faire style méchante gentille, un peu comme ils ont fait avec Maléfique? Je trouvais que c'était un moitié dommage dans Maléfique, donc j'aimerais qu'il reste dans ce côté. Dans où le côté elle... méchant. Ouais, mais faut pas oublier que c'est un film qui va être conseillé pour les enfants. Donc voilà. Non, mais c'est délicat, mais bon. Je suis pas. C'est pas celui qui me hype le plus. Je suis toujours à fond dans mon délire de Ariel, de la petite sirène. Oui. Beaucoup de gens avaient râlé quand ils avaient choisi bah, que ça allait voilà. être une actrice noire. Pour le coup, là, tu casses.
complètement avec le mythe de la petite sirène rousse. Voilà, voilà, mais c'est... Ouais, mais c'est pas... Mais je veux dire, autant, mais ça va me fasciner, quitte à faire un film, reprendre une histoire qu'on connaît déjà, voilà, et ben autant la réinventer. Voilà, c'est ça. Et prendre un personnage complètement différent. Mais c'est ça. Alors que là, Cruella, Cruella, ça a l'air d'être... je pense qu'ils vont le faire dans sa jeunesse. Bah, peut-être que vous le savez, peut-être que c'est dit dans la bande-annonce, on va encore nous... Ils sont nuls. Je ferai l'effort de regarder la bande-annonce jusqu'à la fin. Je vous jure. Ouais, bon, on verra, on verra. Mais, ouais. Donc voilà, écoute, on verra bien. Voir. Après, c'est pas un remake. Ça a pas l'air d'être un remake. C'est déjà un bon point. Alors que Maléfique, c'était un reboot total. Ouais. C'est ça, il faut pas confondre les reboots où on reprend l'histoire du début et les remakes... Non, les reboots où on reprend, on change tout. Voilà, et le remake, on fait refaire la même chose. Voilà, on refait le Roi Lion. Et ben voilà, ouais, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Dites-nous, en tout cas. Hein. Voilà, bah dites-nous ce que vous attendez de ce film. Si ça vous intéresse, si ça vous inspire, si ça vous inspire pas du tout. Nous, je crois que c'est l'une des premières fois où on dit que... Ouais. Que bof. Ouais, voilà. Je crois vraiment que c'est l'une des premières fois. On avait des craintes, mais on était curieux. Même pour le royaume, le film. Mais là, voilà, c'est parce que ça... Ça traîne. Voilà. Bah, déjà, ça traîne parce que, bon, là, dans le contexte actuel, on peut pas aller au cinéma, on peut pas... Et tous les films sortent sur la super plateforme que tout le monde connaît. Et là... Non, ouais, c'est... Y a plus d'inventivité, y a plus de... On reprend l'ancien et on refait. Voilà. Bon. C'est... Ouais, c'est un peu... Je trouve que c'est dommage. Bon, tout est une question de pognon, on le sait. Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, ils sont là pour ça, mais... Mais voilà, je trouve que c'est dommage. Enfin, dans un certain sens, moi, ça me déçoit. Bien sûr. Alors, ben, en fait, le truc, c'est qu'ils veulent absolument faire des films d'animation. Des films des live. Films live. Alors que les films d'animation, bon, ils prennent pas trop de risques en faisant des suites, mais là on verra. On peut avoir des bonnes surprises avec Pixar. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir Toi, tiens, dans les Pixar, un peu hors sujet, parce que moi j'ai fait une vidéo entière tout seul dessus. Dans les Pixar, là, quelle suite t'intéresserait? Parce qu'ils ont dit qu'ils allaient en... Ils ont pratiquement dit qu'ils allaient en faire. Bah... Il y a Mille et Une Pattes, il y a toujours Toy Story. Ouais, mais Toy Story, il y a eu de la suite. Toy Story, je trouve qu'il faut arrêter. Non, c'est bon là. Laissez-les, c'est pas jouer. Laissez-les prendre leur retraite. C'est vrai, au bout d'un moment, les suites, c'est bien beau, mais... Ils sont où les Pixar? Attends une seconde, je crois bah, j'ai encore mon petit... Attendez, je crois que j'ai fait... Bon, Nemo Dory, c'est bon? Oui, c'est bon, et puis on a été un peu déçus déjà. Ah zut, bah, il me semblait... Ah si, attends, j'avais fait une petite note dans ce livre. Ah, tu vois, j'avais tout noté. Il y a eu les Toy Story, donc il y a eu 1, 2, 3, 4, il y a eu Mille et Une Pattes. Il y a eu Monstre Academy et Monstre... Ouais, mais ceux-là, mais ça, ça va. Voilà, il y en a eu deux. Ça, tu vois, même s'il y en avait un autre, ça me choquerait pas. Parce que je trouve que c'est un peu à part. Le premier... Ben, moi, je l'ai pas... Je crois que je te l'avais offert pour Noël, Monstre Academy, je me rappelle. Je l'avais bien aimé, mais voilà, pas exceptionnel. Nemo, Dory, bah tous les films un peu de ce style qui se passent à la fac comme Dingo et Max 2, bah tu vois, voilà, donc ça restait dans le même truc. Donc Nemo, Dory, Indestructible, on a déjà eu le 1, le 2. Et ben j'ai toujours pas vu le 2. Bah moi je ratais rien. Ah non, mais moi j'ai pas été surpris, les gens l'attendaient à fond, j'ai pas été surpris par qui était le méchant, j'ai pas été surpris par l'intrigue, j'ai été déçu. C'est rare que je le dise à ce point là, mais là c'est déçu. Ratatouille, Cars, on a eu le 2 qui était bof, le 3 qui était... J'ai pas vu le 2. Ah non, mais le... Attends, si, le 2, si, je l'ai vu. Le 2, c'est que avec Martin, donc oui, il est très basé si, sur je l'ai les vu. Mots. Il est assez marrant. C'est, mais... c'est lequel où il va en Chine? Bah, c'est celui-là. C'est celui-là. Il va au Japon, il va sur les toilettes. Et Chine, là, donc celui-là, je l'ai vu. Et le 3, non, j'ai pas vu le voir. Du coup, je changerai le titre de cette vidéo pour un peu les suites, un peu de tout. Hein. Ça va être un peu le papote, mais il le faut, depuis le temps que vous avez pas vu. Alors, Ratatouille, non, je vois vraiment pas de suite à Ratatouille. Wally. On le laisse à Ratatouille. Wally 2, non. Là-haut. Là-haut 2, non. Rebelle. Pourquoi? Vice-versa. Beaucoup de gens s'y attendent avec le côté de l'adolescence. Dans la tête de... Ah oui, toujours dans la même tête. Voilà. Moi, ce que j'ai eu peur, je l'ai dit dans ma précédente vidéo, j'ai peur qu'ils font style, que forcément il y a d'autres émotions et que tu dis, oh, il y avait un autre étage qu'on nous avait caché. Ça ferait gros. Non, mais j'avoue que ça ferait gros. Sinon, nous avons le voyage d'Arlo. Ouais, non, mais non. La copie du Roi Lion. Oui, on en a parlé. On a bien aimé. Mais il est, voilà, à voir une fois. On a En Avant qu'on n'a pas vu. Non, mais... C'est quoi ce film?
Il y avait des licornes, des petits lutins, j'ai pas tout compris. Bah c'est un peu, c'est dommage parce que je suis sûr qu'il nous intéresserait parce qu'il est dans le côté médiéval fantastique. Donc, mais il était sorti au cinéma. Il est sorti au cinéma juste avant les confinements. Voilà, et du coup, bah ça l'a fait. Bah oui. Parce qu'il est sorti, 2 semaines avant le premier confinement. Et du coup, c'est bizarre qu'il ait pas mis sur Disney+. Alors qu'ils nous ont mis ça ou qui est sorti directement. Ouais. J'ai pas compris. C'est le seul gros Disney qu'on ait pas vu récemment. J'avais l'impression que ce truc c'était un peu perché quand même, non? Ouais, mais apparemment il a des super bons retours. Ah ouais. Après, les successeurs sont là, on va tout casser. Après, il y a eu Soul et Coco. Et Coco. Du coup, Soul, je ne pense pas. Et bah, ça a pas les beaux films. Je vois pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Je vois pas de suite à tout ça, moi. Mais il faut qu'ils le fassent parce qu'ils ont plus d'argent. Les successeurs de... Les non successeurs. Mais c'est vrai, quand t'as fait un beau film qui se finit bien, pourquoi tu veux refaire un truc? Ouais, mais... Même que ce soit se passe avant ou après ou dans 10 ans ou pas, avec machin qui... Non mais non, c'est là, tu vois, il y a rien qui te... Moi j'aimerais bien, c'est bête, hein, là c'est purement nostalgique, j'aimerais bien qu'il fasse un 1001 Pattes 2. Peut-être. Parce que c'est tellement ancien que je suis sûr qu'il pourrait faire des trucs magnifiques aujourd'hui, beaucoup plus beau. Avec, alors que ça se débrouillait très bien à l'époque, oui. Beaucoup plus beau, et là du coup ils pourraient faire ce qu'ils veulent parce que on serait pas chiant. Parce qu'au final, non mais c'est vrai, parce que le film est tellement ancien et tout ce qui se passe dedans peut très bien avoir un préquel ou une suite, ça pourrait pas dénaturer, je pense pas. C'est très différent comme film. C'est peut-être le seul. Ouais, au final, envisager une suite. Moi je pense que vous dites-nous. Parce que... Je vous ai déjà posé la question et j'en suis désolé. Mais désolé, on n'est pas non, parce que sinon, voilà, je veux dire, tu prends Coco, bah tu vas pas faire une suite quoi. Non. Qu'est-ce que tu veux faire comme suite? Non. Allez hop, on retourne chez les morts. Voilà. Toy Story, t'as raison, il y en a trop. Non, c'est bon, il y en a trop de ça. Mille et une pattes, moi je pense que oui. Monstre Academy, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais dans leur dans leur nouveau travail, pas dans le passé, voilà. Encore une fois. Nemo, Dory, il nous a fait rire, mais ça suffit. Voilà, je pense que. C'était pas. On s'attendait à plus déjà aussi sur Dory. En même temps, Nemo. on était enfermé dans un comment ça s'appelle dans un parc aquatique là. Partirait sur les requins. Oui, voilà, ou partir sur le même univers. Comment ils ont passé en requin végétarien. Ils voulaient pas faire un film ou une série sur le poulpe qui apparaissait dans Dory, on en avait entendu parler, tu te rappelles? Oui, c'est vrai, ça voilà. Parle ça. Ça, ils l'ont pas trop fait à part dans Cars 2 de partir sur un autre personnage en fait. Donc voilà, indestructible, j'en parle pas parce que voilà. Le premier, le truc c'est que ça faisait super les 4 fantastiques, hein. Le mec super fort, la fille extensible, le gamin qu'on va se transformer en blanc, fille qui peut être invisible bien. Et qui a des champs de force. Ouais. Oh non, ça m'a pas dérangé, le premier j'adore. Mais c'était très. Quand il y avait vraiment. Bah, quand tu y penses, oui, là par contre, oui, c'est sûr, tu fais le rapprochement en 4 fantastiques. Mais c'est obligé parce qu'encore la petite Violette aurait pu n'être que invisible, bon, mais là elle peut être invisible et elle peut faire des champs de force. Je suis désolé, mais. C'est grillé. Donc du coup voilà, après Ratatouille, non. Mais j'ai un doute sur qui est sorti en premier, les 4 fantastiques ou les 4... Oh les 4 fantastiques, c'est très très vieux. Ou les 4 indestructibles. Ah non, mais toi tu penses des films. D'ailleurs, il va en ressortir dans les Marvel. Ah les oui, mais, c'était les une intégrer. BD à la base. C'était une BD, ça a été je regardais les 4 fantastiques, j'avais en moins de 10 ans. Donc oui, moi, moi j'en suis restée au film. Hein, oui, bien sûr, mais il y a eu 3 films. Il y a eu 3 films. J'avais bien aimé le 2 avec le surfeur d'argent. Il était pas mal. Cars 2, 3, bah du coup, ouais, le problème Cars c'est que maintenant 2, 3, 4, le comment ça s'appelle le... Il y a Plane aussi. Oui, non. il devait y avoir oui, c'est vrai, je l'ai pas marqué, mais c'est vrai. Il y a Plane, je crois que j'en ai pas parlé. Il devait faire Train, si Plane 2 marchait. Mais Plane 2 n'a pas marché, au point même que même moi, je l'ai dans ma collection, je n'ai pas ouvert le blister. Ça veut tout dire. Il vaut de l'or. Ça veut tout dire. Non, je crois qu'ils l'ont fait avec le DVD tellement ils savaient pas quoi en faire. Ah putain. Non, je te jure, il y a genre les deux en même temps. Donc voilà, Cars 2, 3, on n'en parle pas. Le 3, il m'a déçu. Je pensais que ça allait être super intéressant. Il m'a déçu. Ratatouille, je vois pas. Non. Pas Wally, là-haut. Enfin voilà. Enfin, non, tu fais pas des suites à des films. Tu les touches plus, tes films. Mais pourtant, apparemment, ils vont le faire. Apparemment. Pixar a dit que ça risquait de se faire. Donc on verra. On verra là-dessus. Encore une fois, putain. Donc voilà, désolé, on aura parlé un peu de tout et de rien, mais il fallait une petite mise à jour parce qu'on s'était pas vu avec Princesse depuis un petit moment. Du coup, cette vidéo s'appellera Parlons de tout. Blabla. Donc voilà. Tu as quelque chose à rajouter? Dites-nous si vous avez des questions. Ouais, c'est vrai que là, il y aurait plein de choses de quoi parler encore une fois, mais voilà. Ok.
Tu vois, on peut parler de la plateforme de Star. Oui, tout à fait. Tout à fait. On peut en parler vite fait tant qu'on y est allé. C'est sorti ou pas? Oui, tout à fait. Moi, j'ai pas regardé. Et je suis super content parce que dessus, il y a Super Noël. Ah! Alors pourtant, c'est Disney, hein, oui. Mais il n'est pas sur Disney+. Ah, mais c'est peut-être. Il est pas? Non, 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 il est sur Star. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des trucs un peu plus adultes. Ah. Il y a. Non, non, non. Non, mais genre, t'as le Père Noël qui meurt. Ah. C'est vrai. D'accord. Et ça, quand. Je me suis dit, ah ouais, je peux comprendre que pour des enfants, mais t'as le Père Noël qui meurt en fait, dedans, avant qu'il le remplace, donc. Mais ouais, donc il y a des trucs sympas, ils ont un peu fait, ils ont un peu copié beaucoup d'autres plateformes. J'ai vu une pub, il y aura Lost. Oui, il y est. Il y a Buffy contre les vampires ah ouais aussi, saison 1 à 7, donc ils vont couler pas mal de trucs. Hein. Bah ouais. Amazon Prime et Netflix. Bon, Netflix, ça va être un peu plus compliqué. Netflix, non, parce que. Mais Amazon. Les dernières plateformes qui sortent là. Ouais. Amazon Prime, bah Amazon, je pense qu'ils attendent tout avec le Seigneur des Anneaux. Mais ça commence à se faire attendre. Ouais, ouais. Hein. Ça va être comme beaucoup de trucs. Et il y en a plein là, des plateformes. Maintenant, il y a Salto, il y a. Je sais pas quoi. Salto, c'est TF1, je crois. Ouais. Enfin, c'est la télé en général. Ouais. Et ils sont malins parce que quand ils sortent une série sur TF1, ils disent, bah, elle est déjà en entière sur Salto. Ouais. Pour dire, en parlant de. Ah, t'as regardé la série Vision, toi, oui, tout à fait. Je moi, suis j'ai pas regardé encore. Avec Jotis, je regarde à chaque fois que ça sort. À chaque fois que ça sort, tous les vendredis, on se voit. Il vient chez moi, je vais chez lui, on se connecte. Et je sais pas si t'as vu, mais on peut regarder en même temps qu'un ami. Ah. Si t'es connecté, tu lances ton film, t'envoies le lien à ton ami, et hop, ça vous met en même temps là où vous êtes et cool. Vous pouvez parler. En... Du coup, donc, c'est ça. Vraiment cool. Donc ouais. Je vais y voir quand même. Mais je pense que je verrai avec Jotis s'il est intéressé pour parler de WandaVision avec moi quand ça sera terminé. Bah ouais, parce que moi du coup. Ouais, mais toi tu rattrapais ton retard sur tous les. Ouais. Ouais, et c'est assez important parce qu'il y a plein. Genre, j'ai appris, bon c'est pas un spoil hein, parce que assez vite. Bon, si vous avez pas vu WandaVision, cassez-vous quand même. Mais genre, il y a un personnage qui arrive dedans. Ouais. Et en fait, c'est un personnage qu'on avait déjà vu dans Captain Marvel, mais je l'avais pas reconnu parce qu'elle était enfant dans Captain Marvel, tu vois. Donc je là, dis, je l'ai pas. Ah vu. Mais c'est. Je sais que c'est le premier en date Captain Marvel. Techniquement, c'est un des plus vieux au niveau de la date. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, mais c'est fait. Un des plus récents au niveau de. Il est assez. Ouais. Mais ça, celui-là, je l'ai pas vu par exemple. Mais il est assez compliqué parce qu'il faut vraiment s'accrocher parce qu'au début, t'es pas sur Terre, donc s'il n'y a pas les codes habituels des Marvel. Qu'est-ce mais que j'ai regardé? T'as regardé Black Panther, je crois. J'ai regardé Black Panther, j'ai regardé Doctor Strange. Ah, Doctor Strange. Ouais. Et je crois que c'est tout. Je m'en suis arrêtée là. Ouais, bah c'est possible. Mais ouais, voilà. Enfin, après, t'es pas obligé, hein. Mais c'est assez important. Alors, moi, je suis super content parce qu'il paraît que WandaVision a été créé pour annoncer Doctor Strange 2. Mmh. Et moi, depuis toujours, avant même que de Marvel, avant même que les films arrivent, mes personnages préférés c'était la sorcière rouge, Wanda, donc, et le Doctor Strange. Alors, c'est juste parfait. Donc, pour moi, c'est juste génial. Et bah, donc voilà. Et donc dans Star, ouais, il y a pas énormément de choses. Ça fait un peu comme Disney Plus au début, tu dis ouais, mais c'est que des vieux films. Mais j'ai retrouvé Super Noël, que je vous conseille vraiment. Et ils ont sorti Solar. Enfin, en gros, c'est. Au début, il y a South Park qui existait. Et ça a décliné plein de trucs, Family Guys, un peu Futurama, ça a été inspiré des Simpsons, bien sûr, c'est le même créateur, mais. Ces dessins animés ou ces films d'animation pour adultes. Et là, il y a un truc qui est sorti qui est pas trop mal sur des extraterrestres qui sont sur Terre. Et voilà, il y a des gros mots, il y a con, il y a. Enfin, voilà, il y a plus. Enfin, je dis, je cache des choses. Voilà. Ma grand-mère. Non. Voilà, donc c'est pas trop mal. Je suis curieux ce qu'ils vont faire dans l'avenir. Mais c'est vrai qu'ils récupèrent des vieilles séries, des vieux machins qui pourraient attirer des gens qui sont curieux. Bah, regarde Super Noël, j'en suis qu'à la moitié. Mais il y a plein de trucs que j'avais pas remarqué. Ouais, je regarde. Bah, plein de détails pour adultes, justement. Pas du tout. Comme cochon. Quand tu regardes un Disney après. Tu... Ouais, voilà, c'est ça. Ah, en fait, j'avais pas compris ce qu'ils voulaient dire. Après, ils ont augmenté leur prix, du coup. Ah bah oui. Ouais, bon, ça va passer de 60 ou 70 à presque 80-90 à l'année. Limite, en fait, il faudrait qu'on aurait dû le faire, se désabonner et prendre un nouveau. Il y a des gens qui l'ont fait et créer un nouveau compte pour récupérer une année entière, wow. Tu vois, de moins cher. C'est des petits malins, ça. Mais personnellement, par rapport à Disney+, comme on est dessus, je pense pas que je reprendrai un an. Mais je pense que je prendrai un mois de temps en temps. Mais après, ils sont salauds. Parce qu'ils sortent un épisode, genre pour WandaVision, un par vendredi. Bah oui, c'est tout. Mais là, semaine, ouais. Il va y avoir pareil pour Loki. Ah oui. J'aurais pas la patience. Je suis moins fan du côté Loki que du côté Wanda, bien sûr. Mais du je pense. Côté Loki. Mais c'est vrai que. Et il sort quand, Loki? Loki, c'est au mois de juin. Juin, d'accord. Donc voilà. Saphira, on pense à toi. Donc voilà, désolé, vraiment, on est parti sur tout et rien, mais de toute façon, dans le titre de la vidéo, j'aurais précisé que... Cruella, c'est de tout et n'importe quoi, ouais. Voilà. Mais c'est bien aussi, parce que... Cruella et Loki, Loki et Cruella. Et Loki-ti. Et Loki-ti. Non,
Non mais ouais. Et je voulais dire un truc et ben je sais plus. Mulan, Star, Mulan, Star, Disney Plus. Non. Ça va tout changer dans l'univers du monde, ça. Dans l'univers du cinéma, ça n'empêche, c'est vrai. Hein. Il y a beaucoup mais de films, beaucoup c'est... de films que. Mais dans un sens, c'est triste. Disney et d'autres plateformes vont c'est... se dire, on va baisser. Ah ouais, ce film, on a mis pas beaucoup d'argent. On va pas prendre de risques. On va le mettre sur la plateforme. Voilà. Comme ça, après, des gens vont être contents. Des gens vont être contents parce qu'ils payent un truc et puis voilà. Mais les gens qui peuvent pas forcément se rendre au cinéma, mais c'est tellement bien d'aller au cinéma une fois de temps en temps. Mais oui. C'était nos petits trucs. Voilà, enfin je veux dire c'est... On avait été voir le dernier film qu'on avait été voir ensemble, c'était La Reine des Neiges 2. Ça fait... ouais. Je range un peu les couleurs. On avait mis des couleurs spéciales. Ah, ça faisait Reine des Neiges là, du coup. Ouais, voilà, comme ça. Ouais. Allez, on met les couleurs Reine des Neiges. Ouais. Parce qu'on avait mis des couleurs exprès pour faire Cruella et au final on a parlé un peu de tout. Donc voilà, bah sinon on peut parler vite fait de, je sais pas, moi on peut parler de plein de choses. On va peut-être faire des vidéos goûtées, ah, là, oui. Ici, parce qu'avec Princesse on s'est envoyé des pendant le confinement, on a dit ah ça manque quand même. Donc ouais. Allez, on va repartir sur nos petits délires goûtés. Moi j'aimais bien les goûter. Voilà, ouais non c'est vrai, c'était assez sympa. Et désolé mais j'ai déjà l'objet du prochain goûter. Et bizarrement c'est la Reine des Neiges. On s'en serait douté. Mais ouais, bah, je sais pas après de quoi. Bah on pourrait parler de, bah, de des autres chroniqueurs, hein. On peut juste vous dire que bah, le problème tout c'est monde que va bien. Tout le monde va bien. Et c'était l'anniversaire à Meiko. Oui, le jour où on tourne cette vidéo, c'est l'anniversaire à Meiko. Alors gros anniversaire à Meiko. Mais cette vidéo sortira dans bah, un plus loin, un mais peu bon, voilà. Plus tard, ouais, bien sûr. Mais ce jour-là. Notez l'heure. Non, bah non, notez rien du tout parce que vous savez pas quand est-ce qu'on la tourne. Non, ouais, désolé. Non, mais il y a plein de gens qui ont souhaité sur Discord et sur voilà. Facebook. Sinon, qui c'est qui prend du grade de... Oh non. J'otis au mois de mars. Bec. Ah bah oui, j'otis. Peut-être que ça sortira pas loin de son anniversaire. Le 25 mars. Je connais pas les autres, je suis désolée. Bah voilà. Non, tout le monde va bien. Ouais, je vraiment, pense. Vraiment. On va reprendre. Bon, désolé, on vous avait dit qu'on ferait Ghost Aspirateur, mais là, ça va être bien bah, poussé. C'est complexe. Ouais. Tant qu'il y a le couvre-feu, c'est mort. Vraiment, c'est impossible. Ah bah clairement. C'est impossible. Pour ça. C'est sûr que c'est pas possible. Non. Parce que on pourrait tourner que les week-ends et encore que le dimanche puisque pratiquement. Il faudrait qu'on commence le matin. Ouais. Donc il faudrait les jours où que toi, tous tu nos bosses, amis quoi, se libèrent. Enfin, non. C'est très complexe. Là, ce serait pas possible. Donc voilà, on va reprendre des vidéos cool. On refera peut-être des fanart. On va essayer de reprendre ce Disney épisode qu'on a commencé à écrire, mais bon, on avait voilà dès le moment où tout a été annoncé. Ouais. Mais notre ami ne pourra pas venir comme on voulait faire, du coup on va se débrouiller comme on peut, mais on va essayer de le faire, on va essayer. Compliqué. Bah oui, on va y arriver à la longue, même si c'est dans... Tous les deux ans, l'épisode, hein. Il vous a plu, parce que le prochain c'est dans 2 ans. Et peut-être que vous ne l'aviez pas remarqué, mais Princesse, un nouvel accessoire. L'ancien faisait un peu vieillot et voilà, tout. Voilà, donc et... celui-ci est... Très joli. Que pensez-vous de l'accessoire de Princesse? Très joli, magnifique. Hein, voilà. Il fait du vent. Vous sentez? Voilà. Et du coup, il doit y avoir, on va le dire ici, allez, ça va être un petit spoil, mais dans les zooms spéciales sur les successeurs, il va bientôt y avoir un sur un des chroniqueurs. Mmh. Donc ça va être sur Amy, qui va nous apprendre beaucoup plus de choses sur l'univers de Garglania avant que le prince et princesse ne disparaissent. Mais voilà pour ça. Et après au niveau des zooms classiques, ben c'est toujours l'équipe des zooms qui s'en occupe. Et pour l'instant, ben, j'ai pas de nouvelles. Donc... ils sont sur le coup aussi, mais ouais, bon... ils sont sur le coup depuis 3 ans. Zureki travaille sur un truc qui va être assez sympa. Il faudra attendre un peu parce qu'il veut attendre d'avoir des vidéos d'avance. Et nous, du coup, bah, le jour où vous voyez cette vidéo, vous avez sûrement une vidéo avant pour le retour de Princesse. Et vous aurez quelques vidéos après pour le retour de Princesse. Mais c'est vrai qu'avec Princesse, on se disait quand on tournait ces derniers temps, même avant, on se disait cool, on va enfin retourner. Ouais. Et puis en fait, on tourne une fois et après, ben. Non, on peut plus. Voilà. Mais là, il faut avouer que je vais essayer. Là, on est un dimanche, le jour où on tourne cette vidéo. En fonction des prochains dimanches, si je travaille ou pas, on en reparlera. Oui, mais voilà, mais on essaiera de tricher pour faire ça de, en début de garder une certaine. Stabilité. Une stabilité, mais ouais, un truc dans le genre. Ah, c'est pas stabilité, le mot, c'est... Je... Ah, j'ai oublié. Si, stabilité, ça le fait. Allez, c'est bien. Mais voilà. Voilà, on va vous laisser tranquille, parce que ceux qui sont arrivés jusque-là, bravo déjà. Combien de temps dure la vidéo, là? 24 heures. Ah ouais. Ouais, il faut peut-être qu'on s'arrête. Putain, c'est couvre-feu, allez hop. Je crois qu'il est oublié, d'ailleurs, ça se trouve, il y a le couvre-feu. Je sais pas, j'ai pas l'heure. Attendez, on va regarder l'heure.
Ouais, il va être 17h, donc on va peut-être laisser Princesse rentrer chez elle avant qu'elle se fasse. Oui, parce que j'ai au moins 2 heures de route. Au moins, donc c'est compliqué. Le temps qu'elle rentre à son château, et ses serviteurs, ses chaussons et tout, enfin voilà. Allez, bah merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donnez-nous des avis sur tout ce qu'on a parlé dans cette vidéo. Il y a eu beaucoup de choses. Tout et n'importe quoi, même si vous voulez nous dire ce que vous avez mangé ce midi. Voilà, exactement. Et on verra si on refait une vidéo réaction de vos commentaires pour reparler de tout ce qui s'est passé, parce qu'il s'est passé plein de choses en tout ce temps qu'on n'a pas tourné. Certainement. Bon. Parce que comme on vous a dit, la dernière fois qu'on devait tourner, et ben quelques vidéos que vous avez vues, on devait les faire et le lendemain était annoncé le deuxième confinement. Donc ça fait très longtemps, je sais même plus quelle dernière vidéo on a fait ensemble. Non. Ça devait être le fan art sur des princesses guerrières, donc ça devait... Oh, ça se trouve, ça fait un an qu'on avait pas retourné ensemble, non? C'est possible, tu crois? C'est possible. Oh mon dieu. Parce que ça fait un an qu'à peu près l'épidémie ça dure, donc... Ah oui, donc c'est possible. C'est peut-être pas, hein. C'est le deuxième confinement, c'était quand, attends? Je sais pas, c'était avant l'été, après l'été. Donc septembre, octobre, par là, avant Noël. Oui, parce qu'ils ont... Non, je sais plus. Bon, bref, je suis perdu, moi, dans toute l'histoire. Peu importe. Donc voilà, et ben merci beaucoup d'être resté jusque là. On vous fait des gros bisous et on se retrouve très bientôt.